Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action, un petit haul action. Alors je me suis pris, donc le sac est ici, et puis j'ai sorti deux petites choses que j'ai sorti du sac. Alors j'ai pris ceci, ce sont des bacs de rangement pour réfrigérateur à 2,12 €. Voilà, donc pour y mettre, ben voilà, ce que vous voulez, hein. Vous pouvez très bien y mettre des petits fruits, du citron, des oignons, ou y mettre des petites bouteilles de condiments, enfin voilà. Donc j'en ai pris deux. Elles sont bien parce qu'elles sont transparentes dans le frigo, ça fait propre et puis on voit ce qu'il y a à l'intérieur plus facilement. Alors j'ai pris ensuite donc ceci, c'est du papier cuisson. Tout simplement, qui m'a coûté 0,82 centimes. J'ai pris ensuite du Toblerone. Celui-ci m'a coûté, je ne me souviens plus combien il nous a coûté celui-ci, à 87 centimes. Voilà, c'est la petite barre de 100 grammes. Ensuite, alors, j'ai pris ceci, sincèrement, je l'ai déjà ouvert. Je crois que ça coûtait 1 euro tout juste. Vous avez à l'intérieur 18 pièces. Donc, vous avez des fourchettes, des couteaux, hop là, et des cuillères assez creuses. Voilà, il a été utilisé de différentes couleurs, donc c'est assez sympa. Et je vous ai dit moins d'un euro. Alors ensuite, j'ai pris ceci. C'est un petit peu comme... Oh, je me suis trompée, c'est pas celui-là. C'est un peu comme du Febreze, en fait. Alors, il sent super bon. Moi, j'aime bien l'odeur. En fait, j'en ai pris deux. Je le vide directement dans un vaporisateur. Alors, l'odeur, c'est vrai qu'elle ne dure pas longtemps, mais franchement, ça vaut le coup. C'est à la lavande et patchouli. Moi, j'aime bien l'odeur. Donc, voilà. Après, c'est assez fragile et je l'ai fait tomber une fois et j'arrivais plus à vaporiser, en fait. Donc, voilà. J'en ai pris deux. Il fait moins d'un euro, 89 ou 79 centimes, je ne me souviens plus. Donc, c'est sympa. Je me suis pris ensuite ceci. Ce sont des petits, je me souviens plus, des petits moules à gâteau en fait. C'est en papier. Et je l'ai payé, je me souviens plus. Oups Alors c'est bien parce qu'il y a différentes couleurs. Voilà. Voilà, ils sont pas mal. Et à l'intérieur, il y en a. Alors, c'est des moules de 5 cm. Il y a 100 pièces à l'intérieur. Sympathique. Ensuite, j'ai pris ceci. Et je les ai payés ceci 66 centimes. Alors, voilà, ce sont des rubans. C'est des franginettes, en fait. En fait, des franginettes. Ce sont des petites franges. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. En fait, tout dépend à chacun ce qu'il veut en faire. Voilà. Je trouve que c'est mignon. Et c'est pas mal. On peut les mettre. Alors, c'est une longueur de 2 mètres. Donc, j'ai pris du vert haut et j'ai pris du rose. Il est un peu chenu avec du blanc. Bon, là, je vais voir ce que je vais en faire. En fait, on peut même s'en servir dans la couture. Donc, en fait, c'est double. Chacun peut en faire ce qu'il veut. Ça a plusieurs usages. Ensuite, je me suis pris ceci. Hop là. Il me semble que j'en avais d'autres. Non. J'ai pris que ça. Bien, pourtant, j'en avais pris, il me semble, d'autres. Alors, ce sont des masques. Voilà. Alors, ceux-là, c'est les mêmes. J'en ai pris un autre, mais je ne sais plus où il est. Et celui-ci. Alors, celui-ci, ils vous disent. Alors, c'est un masque en tissu pour le nettoyage en profondeur et extrait de feuilles de Péria. Je ne connais pas. Il purifie vos pores et enlève la saleté et l'huile qu'on peut avoir sur le visage. C'est pour tout type de peau. Donc, voilà. Et ils ne vous disent pas à quoi il est, quel parfum, je ne sais pas. Ils ne vous disent pas. Donc, il y a 25 millilitres à l'intérieur. Voilà pour celui-là. Et pour cela, alors cela, ils vous disent, c'est un masque pour visage en tissu hydratant, toujours pareil, aux extraits de concombre. Contribue à l'amélioration de l'élasticité de la peau
et lui donne du peps pour tout type de peau aussi. Donc voilà, j'en ai pris deux comme ça. Ils m'ont coûté 75 centimes. Et celui-là, il est aux extraits de feuilles de périlla. Je vous l'ai dit, je suis bête. Donc voilà. Je vais tester. Ensuite, je me suis pris... Ah, il est là. Je sais que j'en ai pris un troisième. Il est là. Voilà. Alors ensuite, je me suis pris ceci à 2,99€. Il est d'une dimension de 26 cm. C'est un moule à manquer. Alors, il est bien parce que on n'a pas besoin d'attendre et de le retourner. Il a une ouverture ici. Voilà. C'est-à-dire qu'il est amovible, le fond. Donc, c'est sympa. Ensuite, je me suis pris ceci. Ce sont des masques, vous savez, qui moussent au visage. Il y en a trois à l'intérieur. J'en avais déjà pris. Il est vraiment très bien. C'est rigolo. Donc, ils vous disent, attendez, ce masque pour visage aux extraits de réglisse et à la protéine de lait se met à mousser lorsqu'il est en contact avec la peau et l'air. Voilà. Donc, j'ai bien aimé. J'en ai repris un paquet de trois. J'ai pris ceci. Ah, il faisait moins d'un euro, pardon. J'ai pris ceci à 1,15€. Donc, ce sont des petites croquettes. Donc, pour la petite chatounette. Et bah, écoutez, elle aime bien ça. À l'intérieur, il y a un petit fourrage. Et vous dire à quel... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, ce sont, il y a des acides gras, oméga 6 et du zinc pour aider le maintien de la peau saine et un pelage brillant. Avec de la vitamine à l'intérieur pour continuer une bonne vision. Aide à nettoyer les dents grâce à un effet légèrement abrasif. Voilà. Donc, ça aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris ceci. Alors en fait, c'est pas moi qui l'ai pris, c'est ma fille. Alors ce sont des pinceaux. Hop là. Alors voilà, alors elle a pris ce pinceau-là. Alors je crois qu'ils étaient tous à moins d'un euro. Hein. Alors celui-ci, c'est pour l'application légère d'un enluminateur ou des produits poudrés. Voilà. Celui-ci, c'est un pinceau de finition pour appliquer délicatement un enluminateur ou une poudre bronzante ou translucide. Voilà le pinceau. Ensuite, elle a pris celui-ci, le tout petit comme ça. Et celui-ci, c'est un pinceau concealer pour appliquer l'application de correcteur crème ou liquide. Ensuite, elle a pris ceci. C'est un eyeliner gel. Donc, je l'ai ouvert. Comme ça, je me suis dit, je vais vous le montrer. Alors, ils vous disent qu'il faut... C'est un eyeliner fin avec une texture gel, facile à appliquer grâce à la brosse. La brosse, elle est comme ceci. Donc, toute fine. Et à l'intérieur, voilà, c'est un petit pot comme ceci. Et à l'intérieur, on voit bien... Attends, il y a un petit... Voilà. On voit bien que c'est... Vous savez, comme les glosses, petit beurre cacao là qu'on applique avec les doigts. Voilà. Donc, on ne l'a pas encore testé. Je vous en dirai un retour à travers ma fille. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est une tondeuse pour cheveux. Elle m'a coûté 11€ passé, enfin moins de 12€. Elle est vraiment très bien. Donc, je l'ai utilisée. Oula. Je l'ai utilisée. Et elle ne fait vraiment pas de bruit. Alors, elle est livrée avec donc, la recharge. La prise, voilà. Elle a un petit pinceau avec pour nettoyer les petites dents de la tondeuse. Le peigne, tout simplement. Et elle est là. Elle se présente comme ceci. Voilà. Alors là, vous avez poussé la dimension de la coiffure, sabot, 3, 4, 5, en fait, ce que vous voulez. Plus vous descendez, plus vous faites une coupe à ras. Donc voilà, ça c'est pour enlever, pour fermer sur les dents. Et regardez, elle est vraiment pas... Elle est vraiment pas bruyante du tout, hein. Ouais, et puis elle marche très bien, donc j'en étais satisfaite. Et je ne le regrette pas, je peux vraiment vous la conseiller. Voilà. Ensuite, nous avons trouvé cette boisson. C'est une nouvelle boisson, me semble-t-il. Alors, elle est à
elle est aux multifruits. Ça s'appelle le Charlie Naturel Soda. Alors, ils vous disent... Alors, il y a du jus concentré, du citron. Mais je ne peux pas vous dire le goût qu'elle a. Ça a un goût spécial, 250 ml, mais elle est vraiment bonne. Il y a du gingembre, au fait. Oui, c'est ça. Il y avait du gingembre, il y a du gingembre à l'intérieur. En fait, je n'arrive pas à lire. Excusez-moi, je ne peux pas vous dire de bêtises. J'aurais dû, mais ah voilà, c'est une boisson pétillante au jus de fruits. Voilà, sentez le fruit. Eau gazifiée, jus de fruits, jus concentré. Alors, de pommes, de citron, de cassis, de sureau. Arôme naturel de menthe, arôme naturel extrait de baie d'acée. Et en fait, c'était sur une autre bouteille, je crois comme celle-ci, où il y avait du gingembre dessus, à l'intérieur du moins. Donc voilà, elle est vraiment très bonne, elle est en fer, elle est super jolie, puis il y avait d'autres coloris, donc d'autres parfums, et elle nous a coûté, je crois, moins d'un euro, 69 centimes, enfin moins de 70 centimes. Vraiment, vraiment très bonne, j'ai vraiment adoré. Ensuite, ceci, je finis avec ceci. Ah ben j'ai oublié, j'avais deux pinceaux comme ceci, en éventail. Et ensuite, ceci, c'est un coffret, alors ça c'est ma fille qui me l'a acheté. Il valait, je pense, je ne me souviens plus, je crois que c'était 5 euros et quelques, 5,95 euros. Et à l'intérieur, vous avez un set de plusieurs produits. Alors là, à l'intérieur, vous avez le coton avec les cotons-tiges. C'est assez pratique quand vous partez un week-end ou quoi. Voilà, alors là, vous avez, je ne me souviens plus, ça c'est un gel douche, ça c'est une crème pour le corps. Vous avez ici une brume pour le corps. Ici, vous avez là, une lotion, un shampoing, je dis des bêtises, c'est un shampoing. Vous avez une crème pour les mains, vous avez un démaquillant, un dentifrice. Et vous avez même la petite brosse à dents. Donc, c'est assez sympa. Vous avez le petit vanity avec. Donc, voilà. À offrir, je trouve que c'est sympa. Donc, voilà. Et puis, elle m'a offert ceci. Avec le miroir. Et vous avez ici les petits crochets pour accrocher vos foulards, vos bijoux, enfin. Ce que vous avez envie, en fait. Donc, voilà. Celui-ci, je ne me souviens pas du prix. Je n'ai vraiment pas regardé. Je ne sais pas. Et puis ceci, à 1,89€. Alors c'est une, je vais vous dire ça, c'est nouveau. Alors c'est un soin tonifiant pour cheveux bouclés. Alors ils vous disent, pour cheveux bouclés ou frisés, c'est une formule éclat anti-frisottis, non gras, chevelure souple. La formule allégée aide à définir et modérer vos boucles. Ils disent au jus de mûre sauvage et à la vitamine E. C'est appliqué sur vos cheveux essorés. Alors vous frictionnez un petit peu avec cette fameuse mousse et vous laissez sécher comme vous voulez à l'air libre ou au séchoir. Et c'est censé vous faire de jolies boucles. Donc c'est à tester. Après, oh, ça sent super bon. Donc en plus, si on a les cheveux parfumés, c'est génial. Donc voilà, c'est ceci. Et je vous avais dit 1,89€. Voilà, voilà. Ben sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait grand plaisir. Actionnez la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Je vous remercie, je vous dis portez-vous bien et puis à très bientôt. Bye bye.